Ok, Joey, est-ce que tu connais l'histoire du lion et des souris? C'est une histoire très importante sur l'amitié et la gentillesse. Papa, raconte-nous cette histoire. Eh bien d'accord, ça commence comme ça. Il était une fois un grand lion s'endormit. Et pendant son sommeil, vent de petites souris. L'une t'a permis garder le lion avec sa queue. Désolé, monsieur lion. Est-elle prise d'une part bleue? Le lion, mécontent, s'empara de l'introu. Ah ah, tu oses me réveiller, je vais te manger tout croûte. S'il vous plaît, monsieur lion, un conseil que voici. Si vous me relâchez, je vous les rendrai. Quoi? Tu vas vraiment me faire croire que tu as une petite souris pourrait faire quelque chose pour moi, hein? Bien sûr, monsieur lion, je vous l'ai dit, je suis très très gentil. Oh oui, très gentil. Je vous laisse filer, mais ne le dites à personne. Je suis féroce, je peux vous manger sans vergogne. Merci bien, monsieur lion, je vous aiderai, promis. Il tient toujours ses promesses, c'est moi qui vous l'ai dit. Très bien. Oh, petite souris. Alors, les grands et puissants lions laissa les deux petits souris repartir tranquillement. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Voici ce qui arriva ensuite. Est parti en chasse à la recherche de sa proie. Quand le filet d'un chasseur l'attrapa, le remplissant d'un froid. Son rougissement fut si fort que tout le monde l'entendit. C'est la voix du lion, il est en danger, allons-y. Par là. Grondant et se débattant, les grands lions étaient là. Quand il vit les souris s'approcher, aidez-moi! Elles grignotèrent le filet jusqu'à le déchirer. Vous m'avez sauvé, mes petits. On vous l'avait promis, et voilà, tu es libre. Petit au grand, rosé au fort, on reste des amis. Et nous, on adore s'entraider, car oui, c'est ça la vie. Et voyez comme on est, pour toujours on reste unis. Un lion et ses souris, en famille pour la vie. Alors, ça t'a plu, Dewey? Juste comme toi, moi et Ollie, on sera toujours là, les uns pour les autres. Maman, tu peux me lire une histoire? Es-tu sûre, Dewey? Tu m'as l'air très endormie. Non, je n'ai pas sommeil. Je repose mes yeux. Bon, très bien alors. Que penses-tu de celui-là, Dewey? Le petit chaperon rouge. Oui, s'il te plaît. Le petit chaperon rouge téléphone à sa grand-mère. Téléphone à sa grand-mère. Téléphone à sa grand-mère. Sa grand-mère dit: je me sens pas bien aujourd'hui. Pouvez-vous venir? Le petit chaperon rouge est parti de suite. Est parti de suite. Est parti de suite. Elle descendit le chemin de la forêt. Mais elle croisa le loup. Petite fille, comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Je suis désolée, loup, je peux pas m'arrêter. Je vais voir ma grand-mère. Le petit chaperon rouge s'enfuit très vite. S'enfuit très vite. S'enfuit très vite, mais le loup connaît un chemin plus court pour arriver chez la grand-mère. Le loup a mis la grand-mère sous le lit, sous le lit, sous le lit. Ne dis pas un mot, le méchant loup dit, et enfile la chemise de nuit de mamie. Petit chaperon rouge a frappé à la porte, à la porte, à la porte. Je peux entrer, mamie? Entre, ma chérie,
Et n'oublie pas ce panier. Mon Dieu, quelle grande oreille tu as. Grande oreille tu as, grande oreille tu as. Grand-mère, quelle grande oreille tu as. Au mieux t'entends ma petite, il dit. Mon Dieu, quels grands yeux tu as. Grands yeux tu as, grands yeux tu as. Grand-mère, quels grands yeux tu as. Ils sont grands pour mieux te voir, il dit. Oh mon Dieu, quelles grandes dents tu as. Quelles grandes dents tu as. Quelles grandes dents tu as. Oh grand-mère, quelles grandes dents tu as. Les plus grandes pour te manger, il dit. Hop, il bondit, elle saute en arrière. Elle saute en arrière, elle saute en arrière. Hop, il bondit, elle saute en arrière. En arrière, derrière la table. La grand-mère est sortie, elle était furieuse. Elle était furieuse, elle était furieuse. Elle le poursuivit avec son balai et l'a poursuivi dans toute la pièce. Maintenant va-t'en, loup, chou, chou, chou. Chou, chou, chou. Chou, chou, chou. Maintenant va-t'en, loup, chou, chou, chou. Il ne revient jamais, jamais. Je me sens beaucoup mieux. Grand-mère dit, grand-mère dit, grand-mère dit. Je me sens beaucoup mieux. Moi aussi. Et maintenant faisons un pique-nique. Le loup n'est jamais revenu, revenu, revenu. C'est ainsi que l'histoire se termine. Maintenant va dormir mon Dewi. Mouah ! Bonne nuit. Il était une fois trois ours bruns qui vivaient dans les bois profonds. Et un jour, alors que leur soupe refroidit, ils se promènent dans le quartier. La soupe est trop chaude. Au bout du chemin, dans les bois si profonds, une jeune fille qui sautillait. Boucle d'or était le nom de la jeune fille et ne connaît pas le bien du mal. Bonjour, il y a quelqu'un. Dans la cuisine, elle vit trois bols sur la table de la cuisine. Elle attrape une chaise et a grimpé dessus aussi vite qu'elle le pouvait. Miam, de la soupe! Elle a goûté au bol de papa ours. Berk, c'est beaucoup trop chaud! Elle a goûté au bol de maman ours. Berk, c'est beaucoup trop froid! Elle a goûté au bol de bébé ours. Celui-ci est parfait. Elle a tout mangé, vite et très vite, et avalé chaque bouchée. Regarde ces chaises, elles sont si confortables. Elle s'est assise sur la chaise de papa ours. Oh, c'est beaucoup trop dur. Elle s'est assise sur la chaise de maman ours. Oh, c'est beaucoup trop mou. Elle s'est assise sur la chaise de bébé ours. Celle-ci est parfaite. Et elle s'est balancée et balancée jusqu'à ce que la chaise casse. Au! Oh, regarde, c'est lit confortable. Elle s'est allongée sur le lit de papa ours. Oh, c'est beaucoup trop dur. Elle s'est allongée sur le lit de maman ours. Oh, c'est beaucoup trop mou. Elle s'est allongée sur le lit de bébé ours. Celui-ci est parfait. Elle a tiré les couvertures et s'est bloquée dedans et a éteint la lumière. Bonne nuit. Quelqu'un a mangé dans mon bol, dit le papa ours. Quelqu'un a mangé dans mon bol, dit la maman ours. Quelqu'un a mangé dans mon bol et il n'y a plus rien pour moi. Et bébé ours était très triste, aussi triste qu'on puisse l'être. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise, dit
dit le papa ours. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise, dit la maman ours. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et l'a toute cassée. Et bébé ours se mit à pleurer de tout son petit cœur. Quelqu'un a dormi dans mon lit, dit le papa ours. Quelqu'un a dormi dans mon lit, dit la maman ours. Quelqu'un a dormi dans mon lit et elle est toujours là. Et Boucle d'or se réveille et voit trois ours en colère. Pas si vite, dit papa ours. Il faut que nous parlions. Je suis vraiment, vraiment désolée, lui dit Boucle d'or. Boucle d'or et bébé ours sont devenus les meilleurs amis. Et c'est ainsi, mon petit Dewey, que l'histoire se termine. Courir plus vite que toi, plus vite que n'importe qui et plus vite que n'importe quoi. Oh, vraiment? Alors je voudrais te défier dans une course. Une course? En effet, quel plaisir. Il était une fois, une tortue et un lièvre décidèrent de faire une course, juste pour un défi. Le lièvre était très sûr qu'il gagnerait haut la main, mais la tortue Archibald pensait: je n'y arriverai pas. Et puis j'étais si rapide, Archibald était lent. Il a presque raté son départ quand ils ont dit partez. La lenteur, la constance gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vif, mais il a toujours tout donné. Le lièvre courait vite à la vitesse de la lumière. La tortue prend son temps, elle avait un but en vue. Edwige sait qu'il gagnera. Il s'arrête pour dormir, alors qu'Archibald n'est pas prêt à le rattraper. La lenteur, la constance gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vif, mais il a toujours tout donné. Alors le lièvre s'endort sous un arbre à l'ombre. Archie l'entendit ronfler, l'a enfin dépassé. Quand Archie franchit l'arrivée, tout le monde dit hooray. Edwige entend le bruit. Eh bien, tu ne dis rien. La lenteur, la constance gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vif, mais il a toujours tout donné. Une médaille en or pour Archibald. Il a triché. Edwige pleure. Il a gagné honnêtement, avec une foulée lente et régulière. Edwige était triste, il n'a pas gagné la course. Archie essaye de le consoler. Allons, fais un joli sourire. C'est juste un concours stupide, pas la peine de se battre. L'amitié est ce qui est important. Et les choses se finissent bien. La lenteur, la constance gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vif, mais il a toujours tout donné. Voici l'histoire du petit garçon qui criait au loup. Un petit garçon qui s'occupait des moutons, assis mobile sur une colline et baillait fort d'ennui. Pour passer le temps et s'amuser, il cria au loup à plein poumon. Mes moutons se sont sauvés. À l'aide, au loup, un loup attaque mouton. Au secours.
Mais ce n'était qu'une simple blague. Simple blague, simple blague. C'était si drôle quand les gens sont venus. Criait-il à l'heure de convenu. Il n'y a pas de loups, dit un villageois. Les moutons vont bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était juste sans farce pour passer le temps. Ce n'est pas grave, rien de bien méchant. Vous voyez vos têtes. Le lendemain, il a une idée. Une idée, une idée. Je vais le faire encore une fois, juste pour rigoler. Et juste parce que c'était marrant. Trop marrant, trop marrant. Il cria oh, loup, à plein poumon. Mes pauvres moutons se sauvent. Au secours, allez, oh loup. Mes pauvres moutons, au secours! Mais ce n'était qu'une simple blague, simple blague, simple blague. Une fois des blues vinrent le villageois, mais Candy ne vit rien, il pointoire de doigts. Il n'y a pas de loup, même pas un poule. Les moutons vont bien, ce n'est pas drôle. Ce n'était qu'en farce pour passer le temps. Ce n'est pas grave, rien de bien méchant. Le petit garçon éclata de rire, trouvant trop marrant que les villageois étaient hébernés deux fois. Mais un jour, se coupant de son troupeau, son troupeau, son troupeau, il vit un loup et un feu sous le choc. Je dois appeler au secours, se dit-il. Allez, au secours, au loup. Mes pauvres moutons, au secours! Aidez-moi, aidez-moi, cette fois il est là! Il est là, il est là! Pitié, croyez-moi, c'est la vérité! Pitié, mes moutons sont en danger! Au secours, à l'aide, il y a un loup pour de vrai! Au secours! Les villageois entendirent son appel, son appel, son appel. Mais ils croient à une autre blague, alors continuent leur affaire. Alors en séjour, ils vont en ville, vont en ville, vont en ville. Les villageois vont pour l'écouter. Et il leur dit: pardon de vous avoir moqué. Pardon de m'être moqué de vous. J'ai bien appris la leçon. Yay! Papa, lire. Oh, Zack et les haricots magiques. Je l'adore, c'est là. D'accord, Dewey. Allons-y. Petit Jack et sa pauvre mère ne veulent rien à manger. Alors Jack vendit sa vache pour quelques haricots à un étrange homme qui passait. Plante-le dans ton jardin, t'auras une belle surprise. Et soudain un haricot poussa si haut qu'il en toucha le ciel. Wow! Pi-pi-fo-fum, les haricots mangent jusqu'au soleil. Pi-pi-fiddly-dum, je vais monter, voici qu'il est né. Alors Jack grimpa parmi les feuilles jusqu'en château dans le ciel. Mais quand il arriva, il se retrouva passant en géant. Oulala! Il fit donc face au géant qui semblait affamé. Il volou le petit Jack pour son petit déjeuner. Pi-pi-fo-fum, qu'est-ce que nous là? Niam niam niam. Pi-pi-fiddly-dum, je veux te manger, alors cours, cache-toi. Le géant grogna, mais Jack s'enfuit, l'entendit pester.
Donne-moi des œufs d'or, stupide poule. Ce n'est pas compliqué. Il pointa une jolie harpe dorée, une petite fille toute déprimée, lui ordonnant de jouer de la musique avant de secouer le monde entier. Fi-fi-po-poum, un géant n'est jamais rassasié. Fi-fi-pédalé-dam, d'un garçon pour déjeuner. Miam, miam, miam. Mais la mélodie le fit s'endormir et Jack eut une idée. Redescendant à toute vitesse, sa hache il alla chercher. Il trancha les haricots en deux et le géant bascula. Recevant pour les harpes sur la tête, sa couronne se brisa. Fi-fi-fo-foum, Jack s'est libéré du méchant géant. Fi-fi-fédé-les-dames, les harpes et la poule l'accompagnent gagnement. Jack vendit les œufs que la poule pondait, rachetant sa vache adorée. Et la harpe souriait, jouait, chantait, écoutait. Waouh, on vit alors en fête et tout le monde est venu. Jack était très contente car il était reconnu. Pi-pi-pa-pum, Jack et sa maman sont sauvés. Pi-pi-pédalé-dam, allez c'est l'heure de goûter. Je crois que c'est à mon tour de raconter une histoire. Ok, mais on peut être dedans? Bien sûr, j'ai besoin de trois boucs. Archie, Lucas, vous en êtes? Yeah! Raconte-nous l'histoire des trois boucs Gruff. Ruff! Les trois boucs Gruff sont partis dans les collines pour manger de l'herbe verte à souhait. Ils en ont mangé toute la journée. Manger, manger jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Regarde ça! Oh, de l'herbe fraîche et verte! Derrière la rivière, petit bouc aperçoit un champ d'herbe de l'autre côté. Traverse le pont et tu paies un péage. Pas avec des pièces, tu nourris le troll. Oh, mon Dieu! Les trois boucs Billy Gruff avaient très peur du troll. Mais ils avaient aussi très très faim. Le petit bouc Billy ne pouvait pas attendre plus longtemps. Alors il s'en alla. J'ai peut-être peur, mais j'ai aussi faim. Et je regarde toute cette herbe qui est nouvelle. Je vais traverser le pont et aller de l'autre côté. Il est peut-être petit, mais il est courageux. Mais alors, quand le petit bouc Billy traversait le pont en trébuchant, le troll surgit dessous le pont et dit... C'est quoi ce trip-trap qui traverse mon pont? Tu ne passeras pas par moi parce que je vais te manger. Je suis un troll poilu aux yeux jaunes, des dents et des griffes horribles. Je te mangerai si tu traverses mon pont avec mes mâchoires pourries. Ce n'est que moi, un bébé bouc. Je suis maigre comme un clou. Je n'aurai pas vraiment bon goût, mais le bouc du milieu, tu vois. Yeah. Et il sera le prochain. Très bien. Ah, oh, dégage, petit. Sur le pont, le troll apparut. Il y a un bon gars. Je suis un troll poilu aux yeux jaunes, des dents et des griffes horribles. Je te mangerai si tu traverses mon pont, juste parce que... C'est quoi ce trip-trap qui traverse mon pont? Juste moi, troll. Je m'en vais manger cette douce herbe, dit le milieu des trois boucs. Oh non, 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 dit le troll. Je vais te manger avec mon thé. Mais je n'ai que la peau sur les os, vous voyez, je n'ai pas de gras. Tu aimerais vraiment voir mon frère, c'est un gros tas de graisse. Oh, oh, ok, j'attends le grand frère. Alors
le troll laissa le bouc du milieu traverser le pont tranquillement et attendit son savoureux grand frère. Oh non ! Ça sent pas bon ! Assis sur le pont, le plus gros des boucs traverse sur le pont. C'est qui tritrape sur mon pont ? C'est le gros bouc blanc, espèce de mort ! Hey, ça ne rime même pas ! Je suis un troll poilu aux yeux jaunes, des dents et des griffes horribles. Je te mangerai si tu traverses mon pont, que diriez-vous d'applaudir? Moi j'ai vraiment faim. Je suis en route pour manger de l'herbe et rejoindre mes frères aussi. Je te défie, bouc, de croiser mon chemin. Mais quand te charge chou. Et sur ce, le gros bouc Billy chargea le troll avec ses grandes cornes pointues et le fit basculer en arrière par-dessus le pont, et on le revit plus jamais. Alors maintenant, je vais voir mes deux frères, nous allons manger jusqu'à devenir gros. Nous avons trompé ce troll avec un plan. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore ça. Il était une fois. Non, attends. Ok, veux-tu raconter cette histoire? Non, j'aime juste dire ça comme ça. Il était une fois. Trois petits ours sont sortis jouer. Je vais construire une maison en paille aujourd'hui. Dites un petit ours, c'est juste comme ça. Il a construit cette maison puis il a fait une sieste. Mais un vieux loup méchant l'a réveillé. Oh non! Quoi? Je suis le grand méchant loup et je te vois là-dedans. Ouvre la porte, petit ours, fais attention. Il a martelé la porte. Laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton. Je vais souffler, faire sauter votre maison. Et il l'a fait, puis il a ri du pire rire qu'il y ait jamais eu. Oh, peut-être que j'aurais dû utiliser des brindilles au lieu de la paille. Sont sortis pour jouer deux petits ours. Ma maison sera faite de brindilles, regarde-la. Dit le deuxième petit ours, c'est juste comme ça. Il a construit cette maison et il a fait une sieste. Mais encore une fois, ce méchant loup l'a réveillé. Je suis le grand méchant loup et je te vois là-dedans. Ouvre la porte, petit ours, fais attention. Waouh, damn! Il a martelé la porte. Laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton. Je vais souffler, faire sauter votre maison. Et il l'a fait, puis il a ri du pire rire qu'il y ait jamais eu. Oh, non! Je pense qu'on va devoir construire quelque chose de plus solide pour pas que le loup le détruise encore. Juste un petit ours devait réfléchir vite. Je vais construire ma maison en briques solides. Dit le troisième ours, et juste comme ça, il a construit cette maison et il a fait une sieste. Tu ne pourras jamais le croire, le méchant loup l'a réveillé. Je suis le grand méchant loup et je te vois là-dedans. Ouvre la porte, petit ours, fais attention. Il a martelé la porte. Laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton. Je vais souffler, faire sauter votre maison. Il a encore essayé. Oh, reprends-toi maintenant. Il a fait exploser la maison. Pas par les poils de mon menton. Les briques étaient vraiment trop fortes. Alors qu'est-ce qu'est devenu le méchant loup? On ne l'a plus jamais revu. Les loups sont comme ça. Ouais, ils sont. Oh, papa! Allez, Joey, raconte-nous encore l'histoire de Boucle d'Or. Je veux jouer Boucle d'Or cette fois, parce que,
parce que... Ok, ça va être drôle. Alors que Boucle d'Or se promenait dans les bois, elle vit une maison. J'aimerais bien entrer et voir ce qu'il y a. Je serai silencieuse comme une souris. Oh, les trois ours. Quand Boucle d'Or franchit la porte, et qu'est-ce qu'elle a vu en premier? Une table pleine de nourriture délicieuse. Ah, de la soupe. Le premier était trop froid. Et le deuxième était trop chaud. Aïe, aïe, aïe. Mais le troisième était juste parfait. Elle a tout mangé en une seule fois. Ah, trop bon. Boucle d'Or a vu trois chaises dans la salle des familles. Je pense que je vais aller les voir et chanter un petit air. La 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 la. La première chaise était trop grande. Oh mon Dieu! Et la deuxième était trop petite. Oh, trop serrée. Mais la troisième était parfaite. Ah, c'est la meilleure de toutes. Oh, oups. Oh mon Dieu. Oh là là. Quand elle s'est enfoncée dans la chaise, elle s'est brisée en mille morceaux. Oh mon Dieu, regarde ce que j'ai fait. Oh, bon, cette aventure m'a tellement donné sommeil. Je crois que j'ai besoin d'une sieste. Boucle d'Or monta les escaliers jusqu'à une chambre avec trois lits. Waouh, regarde ça. Je pense que je vais reposer ma tête. Ça te dérange pas si je le fais? Mais le premier avait trop de bosses. Oh, waouh! Et le deuxième était trop mou. Oh, mon Dieu! Mais le troisième était parfait. Ah, ah, celui-ci va le faire. Pendant que Boucle d'Or ronflait, les trois ours sont entrés à la maison. La porte d'entrée était grande ouverte. Oh là là! On dirait que nous sommes pas seuls. Oh mon Dieu! Quelqu'un a mangé ma soupe. Quelqu'un a mangé la mienne aussi. Quelqu'un a mangé tout le reste de ma soupe. C'était la mienne, merci. Oh mon Dieu! Oh, quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Quelqu'un s'est assis ici aussi. Oh, oh, devinez quoi, ma chaise est cassée. Et c'était du bon bambou. Oh, j'entends quelque chose là-haut. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Vous ne savez pas, dans le mien aussi. Et quelqu'un a été... regarde, elle est dans mon lit. Oh mon Dieu, qui es-tu? Bye-bye, merci pour tout. Boucle d'Or a couru dans les bois et se cacha de tout le monde. Les ours ne croyaient pas leurs yeux. Les ours n'en croyaient pas leurs yeux. Maintenant l'histoire est finie. Est-ce que ça s'est vraiment passé? Non, c'est juste un conte de fées. Oh, mais où sont les fées? Maman, raconte-nous l'histoire de Jacques et du haricot magique. C'est quoi un haricot magique? C'est un genre de soupe. Non, idiote, c'est un. Enfin, je sais pas. Eh bien, nous allons le découvrir. Il y a longtemps, Jacques et sa mère vivaient leur vie dans une ferme de campagne. Ils étaient pauvres et pas assez à manger. Alors, ils ont fait un plan pour y arriver. Jacques, va vendre notre vache Bessie, et avec l'argent nous pourrons planter plus. Le jour du marché, Jacques vendit la vache à une drôle de fille habillée bizarrement. Bonjour jeune homme, dit-elle poliment. C'est chiant ces haricots contre cette vache laitière. Ce sont des haricots magiques et ils te donneront une récolte aussi haute que le ciel. Jacques est rentré et montra à sa mère, mais quand elle vit ce qu'il avait fait, elle
Elle a jeté des haricots dehors. Oh tiens, juste des haricots, mon Dieu! Elle crie. Mais maman, ce sont des haricots magiques. Oh oui, des magiques, c'est ça. Le jour suivant où elle les a jetés, une géante tige a poussé. Oh non! Jackie a grimpé si haut sur la tige et a trouvé un château dans le ciel. Wouah! Regarde ça! Mais quand il entre dans le château, un grand gros géant au visage affreux est entré en trombe vraiment très fort. Il fait trembler le ciel et les nuages. Fifa, fonfom, je suis un garçon. Yum, yum, yum. Fifa, fonfom, prêt ou pas, j'arrive. Jacques était si effrayé qu'il se cacha dans un placard pendant que le géant comptait son or. Et quand le géant s'est endormi, Jacques s'échappa avec l'or qu'il a pris. Il décida de retourner là-haut. Mais d'abord, je ferais mieux de dire une prière. Oh, s'il te plaît, garde-moi à l'abri du méchant géant. Il grimpa au château et se cacha à l'intérieur. Ha ha! Il dit, l'orgueil du géant, des œufs d'or de cette petite poule. Le géant en a compté au moins 10. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui se passe après 5? Fifa, fonfom, je suis un garçon. Yum, yum, yum. Fifa, fonfom, prêt ou pas, j'arrive. Oh, oh mince. Oh. Jack est assis, Jack est rapide. Oups. Mauvaise histoire. Jack est rapide et agit vite. Il attrape cette belle petite poule blanche. Il a même attrapé une harpe chantante. Il est redescendu de la tige. La la. Mais le géant est arrivé en trombe après Jack et se jeta sur l'haricot magique. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai pris une hache et j'ai coupé le haricot jusqu'en bas. Et ce gros géant s'en alla en courant. Et jamais, jamais nous l'avons revu. Avec les œufs de la poule, Jacques et sa maman pouvaient maintenant vivre une belle vie. La maman de Jacques leur fit un festin et les voisins sont venus de partout. La harpe jouait des chansons tout le long. Jacques, tu es une étoile brillante. Jacques, tu es une étoile. C'est l'heure de l'histoire, tout le monde. Que diriez-vous du petit chaperon rouge? Ouais. Ok. Je veux faire semblant d'être le petit chaperon rouge. Et moi, je serai le grand méchant loup. Oh, je ne suis pas sûre que Wiki aime cette idée. Tout le monde est prêt? Oui. Il était une fois une fille vêtue de rouge qui se rendait au lit de sa grand-mère malade. Elle ne se sent pas bien, je vais traverser la vallée et j'irai voir ma grand-mère pour un petit moment. Maintenant, souviens-toi bien, ne parle à aucun étranger. Je te promets. Maman donne des spécialités au chaperon rouge, le fromage préféré de la grand-mère. Mais dans les bois, un loup l'arrêta. Mais bonjour ma chérie, où vas-tu? Dit-il. Tu es un étranger, non? Je ne suis pas vraiment censée te parler, mais je vais chez ma grand-mère, elle est malade au lit. J'ai apporté du fromage et du pain frais. Alors elle s'en alla, mais le loup intelligent, il connaissait le chemin de la maison par cœur. Je suis plus intelligent que la moyenne. Le loup s'est faufilé chez la grand-mère. Je vais te cacher pour qu'il n'y ait aucune trace. Il l'a enfermé et s'est mis au lit avec le bonnet de grand-mère sur la tête. Allez! Oh, pauvre mamie qui pleure. Pourquoi entrer, ma chère? Pourquoi, mamie? Dit-elle en rentrant directement. Je me demandais comment tu allais. Oh, je vais bien. Elle avait l'air bizarre. Mamie, depuis quand tu as une barbe? Mamie qui a une barbe. Oh oh. Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as. Grand-mère, quels grands yeux tu as. Grand-mère, quelles grandes dents tu as. C'est pour mieux te manger avec, ma chérie. Non. Oh non. Oh non.
c'est pour mieux te manger, ma chère. Une seconde fois, non. Le petit chaperon rouge se met à crier. Et un chasseur arriva de la forêt. Il a brisé la porte et a attrapé la bête. Je vais te donner un pain. Pour ne pas dire plus. Tu es un grand méchant loup poilu. Tu ferais mieux d'arrêter d'être brute ou tu n'auras plus d'amis. Le chasseur a laissé sortir la mamie. Petit chaperon rouge s'est mis à crier. J'ai parlé à un étranger. À vous, chaperon rouge. J'ai appris ma leçon maintenant. Elle dit. Elle a appris sa leçon maintenant. Elle dit. Waouh, ce grand méchant loup a vraiment appris sa leçon. C'est sûr. Ils ont envoyé au loin, il n'est jamais revenu. Tu vois ce qu'il arrive aux grosses brutes. En effet. Maintenant, quelle est la morale de cette histoire? Je ne laisserai un loup jamais savoir que tu as du pain frais et du fromage spécial. Ok, à qui le tour de raconter une histoire? C'est mon tour. Je vais raconter l'histoire du lion et des chouriches. Tu ne voulais pas dire souris? Pas cette fois, parce que vous allez tous être des petites chouriches. Un lion très très puissant dormait dans sa tanière. Trois petites souris s'approchaient le regard. L'une d'elles accidentellement frôla la patte du lion. Aïe, désolé, monsieur lion. Il devrait y avoir une loi. Oh, désolé, j'espère que je t'ai pas fait mal. Le lion recule sa patte puis la lâcha sur la souris. Aouh. Les autres souris sont effrayées, ils criaient. Tu es lourd. Je vous en prie, monsieur lion, écoutez mon appel. Je promets de te rendre l'appareil si seulement tu me libères. S'il te plaît, je serai ton meilleur ami. S'il te plaît. Je suppose que je pourrais dire oui, mais seulement pour cette fois. Maintenant, va rejoindre tes amis et je ne t'en voudrai pas. Oh, merci, monsieur lion. Je suis redevable à jamais. Je suppose que tous les lions ne sont pas vraiment une menace. Alors le grand lion a laissé partir la petite souris. Wow, c'est effrayant. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Raconte. Yeah, on y va. Pararam, param, param. Quand le lion est parti à la chasse, il s'est fait piéger. Il filait sans pas et grogna, puis il s'est inquiété. Il rugit si fort que les trois souris l'entendent crier. C'est votre ami le lion. Il a des ennuis, mon Dieu. Accrochez-vous à vos chevaux. Je veux dire, les lions, nous venons à la rescousse. Pris dans le filet, le lion fait les 100 pas et pleure. Sans avoir peur, les petites souris se pressent à ses côtés. Elles grignotèrent un grand trou, deviennent le guide du lion. Eh bien, qu'est-ce que je vous dis? Ces petites souris sont mes fiertés. Nous sommes amis. Amis jusqu'à la fin. Gentilles souris. Les amis sont comme la famille comme les amis. Je tiens toujours mes promesses. Vous pouvez en être sûr. La leçon à tirer, c'est l'amitié, monsieur lion, vous voyez. L'amitié est un cadeau qui vous libère toujours. Wow. Alors, c'est une histoire de lions qui se font piéger. Non, idiot, c'est une histoire d'amitié et de gentillesse. C'est sûr, il s'agit d'être toujours là pour ses amis. Yeah. J'adore ça, c'est trop mignon. Des trois petits cochons, des trois petits cochons. C'est l'histoire des trois petits cochons. Il était une fois des trois petits cochons
avait trois petites maisons, tous en rang, tous en rang. Les trois petits cochons avaient trois petites maisons. Il était une fois. Ma maison est en paille, ma maison en bâton, et ma maison est faite de briques. Petit cochon, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton, menton, menton. Non, 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 non. Ah oui. Maintenant, je vais souffler, 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 souffler. Maintenant, je vais souffler, souffler et faire sauter votre maison. Laissez-moi entrer, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton, menton, menton. Non, 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 non. Oh oui. Maintenant, je vais souffler, 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 souffler. Maintenant, je vais souffler, souffler et faire sauter votre maison. Oh non. Cochon, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton, menton, menton. Non, 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 non. Ah oui, oui. Maintenant, je vais souffler, 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 souffler. Maintenant, je vais souffler, souffler et faire sauter votre maison. Bonne chance avec ça. Tu peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Dis le policier. Tu ne peux pas faire ça. Non, 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 non. C'était l'histoire des trois petits cochons, des trois petits cochons, des trois petits cochons. C'était l'histoire des trois petits cochons. Il était une fois. Il était une fois. Il était une fois. Le lion et la souris, le lion et la souris. C'est l'histoire du lion et la souris. La souris se faufilait dans les bois et a réveillé le lion. En colère, il attrapait la souris. Elle était effrayée et pleurait. Elle dit : si tu me laisses partir, je t'aiderai. Un jour, tu verras. Quand tu auras besoin de moi, je serai là pour toi. Le lion et la souris, le lion et la souris. C'est l'histoire du lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Le lion dit : hey petite chose, que peux-tu faire pour moi ? Je vais te dire, ah, tu m'as fait rire, alors je vais te libérer. Merci. Le lendemain, le lion traqua sa proie, mais sur le chemin du retour, il tomba dans un piège, il fut capturé et seul. Entend rugir le lion et s'est rendue sur les lieux. Elle a rongé la corde, libéré le lion et dit : maintenant on forme une équipe. Le lion a répondu : j'ai eu tort de rire parce que tu es petit. Sans toi avec moi, je ne serai pas là. Le lion et la souris, le lion et la souris. Meilleur ami, le lion et la souris. Le lion et la
nous lire une histoire, maman? Oui, une histoire. Ok, vous deux, blottissez-vous contre moi et fermez les yeux. Je vais vous lire l'histoire du petit chaperon rouge. Oui. Le petit chaperon rouge est sorti un jour. Aha, aha. Elle allait chez Grammy un peu très loin. Aha, aha. Elle suivait un chemin sombre à travers les bois pour aller chez Granny aussi vite qu'elle le pouvait. Aha, aha, aha. Un grand méchant loup est apparu. Aha, aha. Lève son chapeau, il dit: comment allez-vous? Aha, aha. Elle dit: ma grand-mère se sent bien si mal, je lui apporte des biscuits pour qu'elle aille mieux. Aha, aha, aha. Dis petit chaperon rouge, je dois courir. Aha, chez Granny à 1h30. Aha, aha. Elle dit: bonne journée. Elle est partie, mais le grand méchant loup connaissait un chemin rapide. Aha, aha, aha. Le grand méchant loup arrive chez Granny. Aha, aha. Et la pauvre vieille mamie était seule. Aha, aha. Grand-mère, va dans le placard, a dit le méchant loup. Puis a mis ses vêtements et a sauté dans le lit. Aha, aha, aha. Le petit chaperon rouge est arrivé. Aha, aha. Mamie, je suis venue aussi vite que j'ai pu. Aha, aha. Lion dit: oh chérie, viens par ici. La petite fille sent une chose étrange. Aha, aha, aha. Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as! Aha, aha. Grand-mère, quels grands yeux tu as! Aha, aha. Grand-mère, quelles grandes dents tu as! Le loup dit: c'est pour mieux te manger. Aha, petit chaperon rouge s'est mis à pleurer. Aha, aha. Et un chasseur dans les bois est arrivé. Aha, aha. Le chasseur a attrapé le loup et l'a mis dans le sac. Et le grand méchant loup n'est jamais revenu. Aha, aha, aha. Mais en sécurité, mamie? La petite fille dit: aha, aha. Elle aide mamie à se mettre au lit. Avec joie, et c'est la fin de notre histoire. Aha, aha, aha. Huggy, est-ce que tu viens de prendre la pomme de Huggy? Non. Hé, hey, ma pomme a disparu. C'est pas moi. Eh bien, Buggy, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est le bon moment pour te raconter une histoire, Buggy. Il y avait un garçon qui surveillait les moutons, le garçon le plus fou que vous avez jamais vu. Un jour ensoleillé, qui sait pourquoi, il pensait pour s'amuser dire des mensonges. Le garçon cria: loup, viens, viens vite, dépêche-toi, cours, cours, cours. Oh, oh. De la colline, un fermier est venu pour chasser ce loup à nouveau. Il n'y avait pas de loup, mais pas un seul. C'est juste un tour pour m'amuser. Le fermier dit: regarde ici, jeune homme, ne joue plus ce tour avec moi. D'accord, je promets. Le jour suivant, à 10h30, le garçon fou crie le loup encore. En haut de la colline, le fermier revient chasser le loup encore une fois. Il n'y avait pas de loup, pas même un seul. C'est juste un tour pour m'amuser.
le fermier dit: regarde ici, jeune homme, ne joue plus ce tour avec moi. Ok, je promets. Mais ce même jour, à 2h15, un grand méchant loup est apparu. Le loup s'est glissé à pattes velours pour effrayer le garçon et voler les moutons. Le garçon cria: loup, viens, viens vite, dépêche-toi, cours, cours, cours. Loup, 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 c'est pas un jeu, venez maintenant. Mais personne n'est venu. Le garçon stupide tremblait de peur. Ce loup volait tous les moutons. Le petit garçon était très triste car il savait qu'il avait menti. Il décida qu'à partir de maintenant, je ne mentirai plus jamais. La chose la plus importante à faire, c'est toujours, toujours dire la vérité. Il y avait un petit garçon qui s'appelait Jacques, qui vivait avec sa maman dans une vieille cabane. Jacques demande à sa maman: pourquoi on est pauvre? Un géant est venu et a défoncé notre porte. Il a volé tout ce que nous avions, nous avions. Il a volé tout ce que nous avions. Jacques, nous devons vendre notre vache. Au marché, tu ferais mieux d'y aller maintenant. Alors Jacques a pris la vache et a marché sur la route, où il a rencontré un homme tirant une lourde charge. C'est une magnifique vache. Il a dit c'est une magnifique vache. Il a dit: j'achète ta vache pour des haricots magiques, les plus beaux haricots que tu n'aies jamais vus. Marché conclu. Jacques courut à la maison quand maman a vu les haricots et la grogné. Par la fenêtre, ils ont volé, volé. Par la fenêtre, ils ont volé. Dès que les haricots se sont posés sur le sol, ils ont commencé à faire un bruit étrange. De la terre, une tige de haricots a poussé jusqu'au nuage et ensuite à travers. Jacques ensuite a grimpé, a grimpé. Jacques ensuite a grimpé. Et à travers le ciel, Jacques était déjà si haut. Il est arrivé à une porte son. Un panneau disait: interdit aux enfants. Jacques est passé à travers, à travers. Jacques est passé à travers. Dans un château, cette porte son menait au bout du couloir. Le jeune Jacques file. Il a trouvé une énorme pièce. Il entendit un bruit effrayant. Les pas d'un géant. Bon, bon, bon. Les pas d'un géant. Bon. Fi-fi-fo-fum. Je sens l'odeur d'un garçon pardieu. Le méchant géant a hurlé et hurlé. Et Jacques est sorti de cette pièce en volant. Il est reparti d'où il est venu, venu. Il est reparti d'où il est venu. Le géant a couru, il a poursuivi Jacques dans tous les sens. Et quand soudain, hip hip hourra, Gigi Noah arrive pour sauver la journée. Ils ont gelé ce géant comme une pierre, une pierre. Ils ont gelé ce géant comme une pierre. Jusqu'à l'haricot magique, Jacques courut si vite et il a trouvé un sac d'or. Lors de sa maman, le géant a volé. Il y a tant d'années avant. En bas de la tige, Jacques a volé, a volé. En bas de la tige, Jacques a volé. Il a attrapé une hache quand il touche à le sol. Hache, 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 cette tige est tombée. Maman, on est riche, il dit à sa maman. Et Jacques lui donna le sac d'or. Il vécut heureux jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps.